de cette info police justice du jour. Après 2 ans et 9 mois de prison, Priscilla Majani sort de prison. Elle a été condamnée pour soustraction et non présentation d'enfants en janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La mère de famille avait enlevé sa fille Camille Chauvet en 2011 car elle accusait le père de cette dernière d'agression et de viol incestueux. Priscilla Majani est désormais libre. Inès Esno était présente pour sa sortie devant la prison des Baumettes à Marseille. Regardez. C'est les larmes aux yeux que Priscilla Majani descend les marches de cette prison des Baumettes, accueillie par ses avocates et une amie militante. Priscilla est arrivée à 9h40, tremblante d'émotion, émue de revoir le monde extérieur après 2 ans et 10 mois de prison ferme, enfermée dans un 9 mètres carrés, 22 heures sur 24. Priscilla nous a expliqué tenir bon grâce à sa foi en Dieu. Ses premières pensées, ses premiers appels ont été pour sa maman, mais aussi pour sa fille Camille, aujourd'hui majeure. Il y a quelques jours de Noël, cette sortie inattendue est pour elle une bénédiction. C'est aussi la fin d'un long combat, mais elle veut continuer à se battre et protéger le droit des enfants. J'avais dit non à la laisser subir en fait l'horreur des viols répétés, réguliers qu'elle disait subir. J'ai dit non à la laisser grandir dans ce contexte incestueux et criminel qu'elle dénonçait. Parce qu'elle n'avait été ni entendue, ni crue, qu'il n'y a eu aucune enquête sérieuse, digne de ce nom, qu'il n'y a eu aucune mesure de protection, malgré mes multiples demandes, qu'elle n'a pas été défendue. Sa sortie signe la fin des poursuites judiciaires pour la mère de famille. Elle est désormais libre et dans les prochaines heures, Priscilla retrouvera sa famille avec notamment sa maman, aujourd'hui âgée et gravement malade. Une maman qu'elle n'a pas vue depuis 13 années.